Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une recette un peu différente. Je vous propose deux apéritifs avec lesquels vous pouvez recevoir vos invités ou bien manger comme... Bref, manger pour le goûter, c'est très facile, c'est simple et surtout c'est rapide. Alors restez jusqu'à la fin pour voir comment je fais mes... Mais... Mes apéritifs à base de plantain dont bien entendu on aura besoin de banane plantain j'ai une partie de plantain mûr et une partie de plantain non mûr on aura besoin de viande hachée avec les légumes dont je vous ai épargné la recette de viande hachée et de la mozzarella facultatif mais pour acheter plus de gourmand on utilise la mozzarella alors dans de l'eau dans de l'huile <laughs> chaude. On va venir ajouter nos bananes plantains non mûres d'abord. Ça sont les bananes plantains non mûres. On va faire frire. Quand elles commencent à prendre la couleur mais légèrement, on va venir les enlever de l'huile. Donc comme je vous disais, ici sont les bananes plantains non mûres pour la première recette en fait. Donc maintenant on va venir ajouter les bananes mûres, les plantains mûres si vous voulez, et on va également faire frire donc on revient à nos plantains mais on va utiliser une coupelle comme celle-ci pour donner la forme à nos à, nos, à nos plantains quoi. Donc j'ai pris deux coupelles et je vais essayer d'appuyer entre elles pour donner une sorte euh, bref pour donner la forme de cette coupelle c'est quoi donc à la, euh, à la fin, j'ai utilisé une, une coupelle plus grande pour que ce soit plus facile. Mais bien entendu, vous pouvez utiliser ce que vous, ce que vous voulez. Ça peut être un presse-citron, ça peut être, je sais pas, même un verre. Du moment où ça vous donne la forme, cette forme-ci. Et vous pouvez bien changer de forme. Hein. Ce n'est pas dit que vous devez utiliser forcément cette forme-ci. Donc, on va, on va faire ainsi et on va mettre de côté et on va également faire avec les, les autres bananes. Donc, vous voyez ce que j'ai obtenu. Je mets de côté et je vais continuer avec les autres bananes. Pendant ce temps, mes bananes plantains sont au feu. Elles sont en train de cuire. Donc, les voici. On va les enlever. Donc, j'ai laissé au feu plus longtemps que ce qu'il nous fallait. Donc, ça un peu cramé donc je vous invite à retirer beaucoup, beaucoup plus vite quoi donc on a retiré on va venir maintenant frire de nouveau euh, nos coupelles on va frire mais on ne va pas laisser longtemps juste le temps que ça devienne croustillant donc faites attention à cela et on va retirer on va également venir euh, pour la deuxième recette on va prendre un papier qui va au four et on va mettre notre plantain et on va aplatir. Donc on va chercher à voir un peu comme le plantain tapé-tapé pour ceux qui connaissent. Ou le plantain pesé, je crois, chez les, les gentils. Chez les gentils. Donc voilà, euh, notre, nos bananes sont pla prêtes. On va maintenant passer à la garniture. Donc on met là euh, nos trucs. Donc, je vais venir mettre ma viande hachée dans les différentes coupelles. Ensuite, au-dessus, je vais venir ajouter la mozzarella. On va maintenant passer euh, à la garniture de notre deuxième apéritif. Je mets également la viande hachée. Je mets la mozzarella et je recouvre avec une autre partie. Et je vais maintenant essayer de, de lier les deux, quoi. Pour faire une sorte de, de pastel de pili-pili. Et... Et voilà quoi, donc ça pour cette recette, utilisé le plantain mûr. Dans la deuxième recette avec le plantain tapé là, c'est le plantain mûr. Donc voici notre truc. On va mettre maintenant au feu, au four pendant 15 minutes à 180 degrés. Moi, j'ai mis en mode grill pour avoir un peu cette dorure là. Donc, voilà le résultat, les amis. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ce niveau. Mets-moi une fleur en commentaire pour me dire que tu as regardé jusqu'à ce niveau. Donc, euh, les amis, reproduisez la recette pour, épanter, pour épater vos, vos invités. Si vous voulez d'autres recettes d'apéritifs comme ça, dites-le moi en commentaire et je vous les referai. On se dit ciao à une prochaine vidéo.